Alors, je voudrais faire une petite expérience avec vous de magie, qu'on va appeler la magie œnologique. C'est-à-dire la magie en rapport avec l'œnologie. Plus précisément, la magie en rapport avec le vin. Voilà, trois phrases pour rien dire, c'est cool. Donc, attendez, j'ai un petit problème de tapis, voilà. Nous avons donc ici un tube, un deuxième tube. Nous avons ici un verre, nous avons ici une bouteille, d'accord? L'idée, c'est que je vais vous demander de participer un petit peu, d'accord? C'est simple, il y a un petit mot magique à dire. Alors, c'est très simple, le mot magique, c'est magie! D'accord? C'est pas compliqué, hein? Donc, on va essayer tout simplement, avant de commencer, je vais compter jusqu'à 3 et tout le monde va dire magie ensemble, d'accord? 1, 2, 3. Oui! Très bien, très bien. Donc, nous avons un tube, un deuxième tube, un verre et une bouteille de vin. Vous êtes prêts? On va mettre ce tube sur le verre. D'accord? On va mettre ce tube sur la bouteille. Ok? On va faire magie! Et là, la bouteille va prendre la place du verre et le verre va prendre la place de la bouteille. Vous êtes prêts? On y va. Attention, je mets le tube sur le verre, je mets le tube sur la bouteille. On fait magie à 3. 1, 2, 3. Oui! Ça a marché! La bouteille est ici, le verre est là. Génial! On va le refaire dans l'autre sens, d'accord? Ouais, bah non, bah, ça marche dans les deux sens. Hein. Alors allons-y, attention, on refait magie. 1, 2, 3, magie, c'est revenu comme à l'origine. Non, vous n'êtes pas convaincus, apparemment. C'est pas grave, on va refaire, d'accord? On va prendre ce tube que l'on va mettre sur la bouteille. Hein. On va prendre ce tube. Que... Ah! Magie! C'est des trucs qu'on comprend pas. Merci! Donc, ben, c'est pas grave, on va enlever cette bouteille, on la boira plus tard. Voilà. Donc, ici, nous avons une bouteille, ici, un verre. Attention, 1, 2, 3. Magie! Ça a marché! Wouh! Donc, reprenons, on reprend donc ce tube, comme tout à l'heure, on le met sur la bouteille. Simple. On reprend ce tube, comme tout à l'heure, on le met sur le verre. Oula! Attends. Ça va être sympa. On va enlever cette bouteille, excuse-moi. Hein. Donc, vous êtes prêts? Bouteille, verre. 1, 2, 3. Magie! Oui! Bon. Merci. Je propose qu'on retire ce tube de l'équation pour faciliter un peu la démarche. D'accord? Comme ça, vous allez suivre. C'est simple, il y a un tube, une bouteille, un verre. D'accord? Attention, je prends. Donc il y a un tube, il y a un verre, il y a une bouteille, il y a une autre bouteille, il y a un verre, il y a un tube et dedans une bouteille. Oui, d'accord. Tout le monde a suivi? Bon, on reprend. Donc nous avons ici une bouteille, nous avons oups, là, ici un verre, nous avons ici un tube, une bouteille, un verre, un tube et une bouteille. Merci. Non, je propose que nous ramenions le tube 1 dans l'équation, d'accord? Bien. Nous avons donc ici un verre. Nous avons donc ici... Oula, encore une. C'est génial. Hein ? Belle soirée en perspective. Donc, nous avons ici un verre, disais-je. Nous avons ici une bouteille, nous avons ici un verre, nous avons ici un tube, nous avons ici une bouteille, un verre, un tube, une bouteille. Ici, nous avons un verre, une bouteille, un tube, un verre, une bouteille, un tube, un verre. Une bouteille, encore une autre bouteille, un tube, un verre, et wow, une bouteille de chorégraphie. Comme vous pouvez le voir à mon physique d'athlète, je vous remercie, je suis bourguignon. Ah ben, un physique comme ça, ça ne s'invente pas, ça vient de Bourgogne. Donc, à mon physique de danseur, nous allons donc faire cette expérience. Vous êtes prêts? Je vais simplement prendre cette table et encore une fois à trois, je vais lui demander de tous dire magie, d'accord? 1, 2, 3. Magie. Oui.